Mario. It's a fantastic machine. The cameras, the zoom, all the new things they've announced it. It's a fantastic phone, especially the Pro one. Regarding the supposed issue about Huawei, I think it's a non-issue. They have a solution. It's ready to go to the market. Where are the other contenders? United States don't have anything to offer. Europe is starting to have some offer, but I think they are in the leading point. So that somehow scares the decision makers about to implement the 5G networks. For security of nations, the security of the UAE, maybe it's better if the Chinese companies stay out of this market. I've discovered a device that first and foremost is probably one of the most impressive cameras that's on the market today. Aside from being a device that we all use for the regular purposes on a day-to-day basis, I'm not sure how much room there is to improve for everyday use on a smartphone, but the camera, especially what it does in low light, is pretty spectacular. You know, there's been a lot of press, negative and positive. On both sides of the spectrum. Obviously, a lot more negative on the U.S. side than in other parts of the world. So I think everybody should be concerned, in particular, with 5G technology, not specifically towards Huawei. But I think we should all look at our operators and all, you know, go through due diligence processes and a level of scrutiny, because our lives are being exposed. It's very impressive. I test every year a lot of phones, and this one has a particularity is the photo quality, I think, with the big zoom, 10x, and I think it's the first time we have a quality with zoom 10x, and it's impressive. Alors, vous savez qu'il y a ce gros débat concernant la vie privée et puis surtout la sécurité du réseau 5G et le fait de confier en fait ce réseau 5G à un Chinois, Huawei. Vous savez qu'il y a de grosses discussions, notamment politiques en France sur ce sujet. Mais je pense que c'est un faux débat parce que l'innovation prime. On sait que Huawei est le premier opérateur à proposer de la 5G. Les autres opérateurs le font, en tout cas les autres équipementiers réseau le font. Il y a Ericsson, il y a Alcatel, etc. Il y a Nokia. Mais visiblement, d'après ce que j'ai pu comprendre, Huawei, il n'avance sur la 5G. Et ça serait dommage de se priver de cette avance de 5G parce qu'aujourd'hui, on soupçonne Huawei qu'il y aurait, on va dire, des espèces de d'espionnage de données de par leur réseau. Alors il faut malgré tout enquêter parce qu'on est en France. Il ne faudrait pas que des secrets industriels puissent partir en Chine, mais est-ce que c'est vraiment le vrai débat? Je ne pense pas qu'aujourd'hui Huawei a besoin véritablement d'espionner ce qu'on fait aujourd'hui ici en France ou dans d'autres pays pour avancer. On le voit ici, hein, ils n'ont pas besoin de nous pour progresser technologiquement.